On m'appelle Crespin Torrent, alias Campeche. Je suis le maître chorégraphe, le maître choré de la maison Mietonu. Toutes les danses traditionnelles du Bénin et de l'Afrique se pratiquent ici. Et je suis le maître et je suis là pour exécuter les parcs de danse avec ceux qui vont vouloir rentrer dans la maison Mietonu. Ils vont voir que c'est du lourd qui se prépare ici. Je suis avec mes amis, lui là il s'appelle Chatpi, ceux-là tous sont des artistes du Boïcan comme moi. Et ensemble on va lutter pour les rythmes de chez nous, les parcs de danse de chez nous. Et on va promouvoir ça et dans le monde Bénin à ses patrimoines culturels bien cher pour lui. Bonne fête à tous ceux qui sont là parmi nous, à tous ceux qui sont de la diaspora, qui ne sont pas venus. On leur dit que ça a été belle ici chez nous au Bénin et que bye bye, ciao ciao. Ouais, baston, ouais. Bonjour, je suis Armel Dadé. Je suis le responsable de l'hôtel Fimar Les Payottes, qui se trouve à Godemain. D'accord. Alors aujourd'hui, les religions endogènes sont à l'honneur au Bénin, c'est le 10 janvier. D'abord et avant tout, dites-nous, le vaudou, ça représente quoi pour vous? Le vaudou, c'est toute une identité dans laquelle je me reconnais entièrement et dont je suis héritier par mes ancêtres et par mon grand-père qui a beaucoup contribué pour l'avènement de la journée de reconnaissance de nos cultes.
il s'agit de Sosa Gedengue. Le vaudou, c'est notre identité. Le vaudou ne doit pas faire peur, parce que le vaudou est une religion au même titre que le catholicisme, que l'hindouisme, l'islam et autres. C'est juste que on a essayé pendant des années de nous faire croire que cette pratique-là était sauvage, était diabolique. Non, cette pratique est ce que nous voudrons que ce soit. D'accord. Un premier institut de vaudou au Bénin, quelle appréciation faites-vous de cette initiative? C'est une initiative à encourager, parce que le vaudou a besoin d'une visibilité autre que celle qu'on a pu avoir jusque-là et qui, malheureusement, est restée un peu trop interne. On a besoin de sortir, on a besoin de vulgariser notre patrimoine culturel et cultuel à travers le monde. Et une institut telle que l'Institut Vaudou Mietonou est le premier pas vers cet objectif. J'espère que cette initiative engendrera d'autres initiatives pour que prospère l'expérience du vaudou, pour que prospère une meilleure visibilité de notre patrimoine culturel. Je vous remercie. Française. Est-ce que vous avez entendu parler une fois du vaudou en France? Oui, mais c'est vrai que pas du tout dans le sens tel qu'il est donné aujourd'hui au Bénin. Et quelle la perception avez-vous du vaudou? Le vaudou pour vous, c'est quoi? C'est assez difficile à décrire parce que je connais pas encore bien toutes les tout le concept et toutes les facettes du vaudou, mais c'est vrai que ça fait 4 ans que je vis au Bénin, c'est vrai que petit à petit je commence à comprendre un petit peu. Vous avez passé du bon moment ici, qu'est-ce que ça vous fait? C'est vrai que j'ai vraiment apprécié tout ce qui s'est passé ce matin, c'est vraiment une expérience très, très intéressante, très enrichissante. C'est vraiment super qu'il y ait des acteurs béninois qui promeuvent la culture et le patrimoine du Bénin à travers ce genre d'événements. Est-ce que vous allez y revenir? Vous allez y revenir? Mais j'espère bien, l'année prochaine. D'accord, est-ce que vous avez une question? Ok. C'est bon? Ok, c'est bon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous. Christian, ici. Ok, qu'est-ce qui justifie votre présence ici aujourd'hui à l'Institut Vaudou Mietonou? Bah, c'est sur invitation et vous n'êtes pas sans savoir qu'on est le 10 janvier. Et donc, dans l'intérêt de participer aux organisations habituelles qui se font le 10 janvier, j'ai entendu parler de l'Institut qui organisait une manifestation. Et je me suis dit, je vais venir voir ce qu'ils font. C'est d'abord le nom, Institut Vaudou, qui m'a interpellé. Et quand on entend Institut Vaudou, je m'attendais à beaucoup plus de manifestations, comme je vais dire, profanes, qu'à ce que je viens de voir, qui paraît être beaucoup plus culturel. Et j'ai cru comprendre à travers donc, l'Institut que quand on entend Vaudou, ce n'est pas uniquement une manifestation profane, mais c'est de la culture. Et qui parle de culture parle de multiformes d'art. On peut parler d'art représentatif. Donc on peut entendre à travers l'art représentatif aussi bien l'art à travers la gravure, la peinture. On n'entend pas art vaudou, également la musique. J'ai redécouvert des rythmes de chez nous et j'en passe des belles et des bien plus intéressantes. Voilà. Ok, merci. Je vous en prie. Thank you.
Get
Ouais.